Là, je suis en train de faire un VG en compagnie de... Salut. Alex Heming. Donc c'est parti, en espérant trouver plein de jeux vidéo. Bon bah là, je suis encore à brocante. J'ai récupéré un lecteur d'Atari et deux jeux sous blister. Voilà. Et des cadeaux pour mon ami qui est hospitalisé. Donc là, ça déballe encore, il y a un peu des trucs. Donc on va voir s'il y a d'autres choses. Hein. Salut et bienvenue sur la chaîne du Sagamer pour le compte rendu de ce vide-grenier. J'étais accompagné de Alex Gaming. Et là, je suis accompagné de mon ami, mais tu veux participer, non? Non, elle ne veut pas participer, elle ne veut pas parler. Elle n'ose pas parler. Alors, c'est mon ami. Bon, moi, elle est hospitalisée en ce moment et je lui fais plein de petits cadeaux, tu vois. J'ai pensé à toi, là, tu vois. Je lui ai fait plein de petits cadeaux. Elle est à côté de moi, mais elle ne veut pas parler. Elle est trop timide. Tu ne veux pas parler, hein? Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave, parce que j'ai des petits cadeaux pour toi. Regarde, tu vas voir, tu vas adorer. Alors déjà, pour toi et ta copine, comme je sais que vous êtes collectionneuse de cartes Pokémon, voilà, j'ai récupéré ça comme d'habitude, hein, tu sais que je pense à toi. Hop, là à côté de moi, elle est contente. Voilà, t'as vu, je t'ai récupéré tout ça de cartes Pokémon. Donc tu feras le tri, ceux qui t'intéressent, ceux qui t'intéressent pas, tu les mets de côté. Comme ça, moi après, je vais me charger de les reprendre et je te ferai, bah, je te rachèterai des nouvelles cartes Pokémon. Moi, je prends un peu au hasard, comme ça, ça te fera la surprise. Voilà, j'ai récupéré tout ça. Pour elle, donc pour toi, parce qu'elle est à côté de moi, elle veut pas parler. Donc voilà, j'ai récupéré donc tout ça en carte Pokémon. Alors j'ai dépensé 20 €, tout ça, hop, je vais mettre ça, comme ça sera bien ensemble. Je pense qu'il doit y en avoir, ouais, on doit être à pas très loin de 200. Donc maintenant, bah, tu feras le tri hein, avec, avec ta copine. Vous ferez le tri, ce qui va intéresser, hein, je te les passe, hop, tu les mets à côté de toi, hop, tu regardes, tu peux regarder, tu regardes, voilà, celui-là, fais attention, hein, fais pas tomber. Tu regardes, elle ne veut pas parler à la caméra. Hein. Tu veux pas parler, hein, t'es sûr? Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, je t'ai récupéré ça pour toi. Tu le gardes de côté. Ceux que tu as déjà, bah, tu les mets de côté. Puis les, ceux que tu n'as pas, bah, ceux que tu as déjà, tu les mets de côté pour toi. Et ceux que tu n'as pas, bah, tu me les redonnes. Pour comme ça, je vais les remettre en vente. Je vais les mettre en vente pour bah, racheter des cartes Pokémon pour toi. Bon, alors, je me suis pris quoi d'autre à part ça? Bah, je me suis pris une petite. Comics, ben un petit comics sur Superman Back for Good. Alors il est en anglais, mais sa particularité c'est que la jaquette elle est magnifique, elle est brillante, elle est en relief, c'est juste magnifique, j'adore. C'était comment s'appelle, c'était Naki Larson XYZ qui l'avait vu en premier. Donc j'ai attendu qu'il ait fini, il a déposé, je lui ai demandé s'il le voulait, il a dit non. Bon, ben, je l'ai récupéré. Ah oui, au fait, pour les cartes Pokémon, j'ai dépensé 20 €, hein, en fait, sans préciser. Hein. J'ai oublié de le préciser. Et cet album-là, j'ai dépensé 2 €. Donc, hop, je ne l'ai pas encore ouvert. Et juste ça, c'est magnifique. Oh, la cover, elle est juste magnifique. On dirait les cartes Dragon Ball Z. On dirait pas les cartes Dragon Ball Z, hein? Tu sais, les cartes Dragon Ball Z, là, comme ça. Un peu brillante, là, tu vois. Elle était un peu comme ça. Mais non, c'est pas en relief au toucher, non. On dirait que c'est du relief, mais non, c'est pas du relief. Oh, ah ouais, c'est argentique derrière, hein. On dirait, comment ça s'appelle, vous savez, le truc qu'on met pour protéger les aliments. J'ai oublié le nom. Ça s'appelle comment déjà? Tu veux pas parler. J'ai oublié le nom de l'aluminium. Voilà, l'aluminium. Voilà, donc ça, je l'ai payé 2 €. Bon, je vais le ranger après, ça, tu mets à côté de toi. Voilà, hop, tu fais attention. Voilà. Autre chose que j'ai récupéré, mais celui-là, il est volumineux, c'est un... C'est pas une console, mais c'est, je sais pas si on le verra bien en entier, hop, c'est un laserdisc, voilà, mais qui fait PAL et en plus NTSC, il faut juste appuyer sur un bouton ici, vous voyez, pour changer du PAL ou NTSC, maintenant à voir si ça fonctionne. Alors il fait aussi disque, vous savez, musical, hein. Donc on peut écouter de la musique, alors ça se branche en plus sur une chaîne IFI, parce que je me demandais ce que c'était aussi ça,
Même Nicky Larson XXX se demandait ce que c'était. Et il me semble que ça va sur une chaîne IFI, ouais, comme il avait dit. Du coup, c'est un laserdisc. Donc les laserdiscs, c'est quoi? Bah, c'est un grand disque géant. Regardez, vous voyez l'ouverture. Vous voyez comment elle est grande, l'ouverture. Elle commence ici. Hop, je sais pas si on verra bien. Elle commence ici et elle se termine ici. Et ça, c'est juste les disques classiques, genre les disques PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, 5. C'est ça, ce format-là. Mais laserdisc, c'est tout ce format. Donc voilà pour ce lecteur de laserdisc. Alors je sais pas s'il fonctionne, mais je l'ai payé à 10€ au lieu de 15€ qui était annoncé. Hop. J'ai récupéré aussi une montre, mais bon, je sais pas si ça vous intéresse, hein, donc je l'ai pas mis dans le compte rendu. Et il y avait un petit truc qui est 1€. Ça, je sais que c'est de l'or. Donc c'est ça. Une petite, hop. Un petit bijou en or. Donc ça, c'est sûr que c'est de l'or. Bon, je l'ai payé 1€. Je me suis dit, bon, on va tenter de se mettre un petit peu dans l'or, on verra bien. Donc je vais mettre de côté pour pas le perdre. Hop. Ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais au moins, ça le mérite. Hop, je fais la mise à point. Il veut bien se faire. Voilà, c'est bon. Et les deux dernières choses que j'ai pris. Ah non, il reste encore un paquet de cartes Pokémon, j'ai pas vu. Ah, tu vois, il te reste encore un paquet de cartes Pokémon pour toi, regarde. Hop. Je refloute. Donc il reste. Donc pour toi, tu vois, tu as encore un autre paquet de cartes Pokémon. Donc, il y a. Hop, j'en tire l'élastique. Je crois qu'elle l'avait mis par puissance, il me semble. Donc j'ai payé tout le lot de cartes là. Je pense qu'il y en a une. Il doit y avoir 200 cartes à peu près Pokémon. Je l'ai payé 20€ le tout. On doit être ouais, à 200 cartes Pokémon. Donc ceux que tu as, bah, tu les mets de côté. Ah bah ça, elle est belle. Bon, j'espère que c'est des vrais. Tu me diras si c'est des vrais. Hein. Il y a peut-être des fausses dans le Louvre, mais je pense pas. Enfin, après, je sais pas, j'ai pas tout regardé. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Bon, ça reste des basiques, mais ça se revend bien les basiques. Hein. Il y a toujours des personnes pour acheter des cartes Pokémon, compléter la collection. Ah bah tiens, il y a deux Pikachu là, hop. C'est sûr, au moins tu le rends en double. Tu verras ta copine si ta copine elle a la carte. Tu lui passes, tu lui fais montrer. Tout à l'heure quand il ira à l'hôpital, tu lui fais montrer. Tu penses que... Ah bah il y en a encore un autre. Hop, je lui fais montrer en gros ce qu'il y a comme carte Pokémon. Bon bah c'est que des basiques. Hein. Il n'y a même pas de reverse. Je crois qu'il y en a quelques-unes ailleurs là, des reverse, mais... Bon, après toi tu vois, hein, tu fais ce que tu veux avec. Et dès que tu as fini, bah le reste, je vais les mettre en vente. Et comme ça, les sous que j'aurai gagné avec ça, ça sera pour toi. T'inquiète pas, non, c'est pas tout dit, c'est pour toi. Faut te faire plaisir, attends, c'est normal. Alors, t'as pas de pète à pleurer, parce que je vois qu'elle a les yeux rouges, là. Faut pas pleurer. Et là, maintenant, encore un cadeau pour toi. Regarde, t'as vu ce qu'il est pensé à toi. Attention, t'es prêt? Ferme les yeux. Ferme les yeux, attends, vas-y, ferme les yeux, vas-y. Ferme les yeux, hop. Et là, j'ai récupéré. Tu peux ouvrir les yeux. Et ouais, t'as vu, j'ai récupéré deux Zelda, et oui, deux Zelda, mais sous blister, vous avez vu ça, sous blister, t'as vu comment c'est fou? Et ben, tu sais quoi, ben ça je te les offre, c'est pour toi. Alors je les ai payés 10€ l'unité, donc ça m'a fait 20€, franchement c'est cadeau pour 10€, ouais j'ai payé 10€, hein. Et du coup, voilà, ben, c'est Zelda Twilight Princess, et le Zelda Skyward Swords avec le CD orchestral spécial, donc avec la musique du jeu en version orchestrale. Hop, je fais la petite mise au point pour que ça soit plus net pour vous. Et donc du coup, bah, je les ai pris pour toi, parce qu'à la base, je devais le partager un peu avec Alexamin, mais comme je sais que tu es fan de Zelda, de manga, comme ta copine, et de Pokémon, tout ça, bah, j'ai décidé bah, pour toi, pour te les offrir, cadeau, c'est pour toi. Donc ils sont neufs sous blister, hein. Je pense que c'est des blisters d'origine, hein. Il me semble... D'après ce que je vois, il me semble, avant que je me trompe, mais il me semble que ce soit des vrais blisters. Donc au pire, de toute façon, ça reste des jeux. Et donc tiens, je te les donne. Hop, cadeau pour toi, hein. Tu prends soin, hein. Attention. On sait qu'elle va pas les dévisser parce qu'elle me connaît. On sait comment on est maintenant, elle me connaît. Hein. Hop, attention, fait, tu fais tomber mes cartes, là, fais attention. Ah, elles sont tombées partout. Bon, c'est pas grave, mais je crois que c'est tout. À part la montre, hein, je vous ai pas montré, mais c'est une belle montre, je l'ai laissée de côté, bon, c'est pas grave. Du coup, bah voilà, tu vois, t'as été gâté aujourd'hui, toi. Et bah, de toute façon, les jeux, c'est pour toi, tu les gardes. Hein. Bon, bah, malheureusement, tu les gardes pour toi. Hein. Je pense pas que de toute façon, ta copine, elle va aimer Zelda. Hein. De toute façon, je pense pas qu'elle aime Zelda, elle aime pas les jeux vidéo. Mais toi, je sais, comme t'aimes les jeux vidéo, bah du coup, c'est pour toi, c'est cadeau. Normalement, j'aurais dû partager avec Alex Gaming, donc désolé pour toi, l'ami. Hein. Mais la prochaine fois, t'inquiète pas, dès que je vois des jeux PS2, je te les mets de côté. Et ça sera pour toi. Hein. Du coup, bah voilà, ce compte rendu était assez court. Vous avez pu voir la vidéo, elle était assez courte. Comme j'avais promis, bah voilà, je t'ai offert à chaque fois que je vois des cartes Pokémon
et des petits trucs qui t'intéressent. Si je trouve des Zelda en manga, bah, je t'ai mis de côté. Bah, j'ai regardé tout à l'heure, il y avait des mangas, mais il n'y avait pas de Zelda. Hein. Il y avait des GTO, mais... Alors, il y avait des mangas GTO. Il y avait un mec qui est arrivé, d'ailleurs, Nicky Larson et XYZ, et quand ça s'appelle Xeming. On est arrivé, à un moment, il y a un mec avec un camion, mais un camion de Roumain, quoi. Il a sorti mais plein de DVD, plein de livres, des BD, plein de, comment ça s'appelle, de mangas. Moi, lui, ça a dû être trouvé dans les poubelles ou alors trouvé dans une maison. Et le mec, il a sorti ça dans les sacs poubelles. Mon Dieu, c'était horrible. C'était dégueulasse. Alors, ok, il y avait des sous à se faire, mais putain, mais c'était horrible. Hein. Les états, le mec, il a avec plein de sacs poubelles. On voyait qu'il était pas bien, le mec. Hein. Bon, c'est pas de sa faute, hein. Mais au début, ce que j'aime pas, par contre, sa femme, il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est qu'au départ, c'était 3€ les DVD. Hein, il y avait beaucoup frais, bah, justement, que je voulais offrir à certains, que je voulais offrir à mon ami, je voulais te l'offrir. Nicky Larson, il pourra vous le confirmer. Il y avait des DVD à 3€, et d'un seul coup, quand la fille a commencé à regarder sur son smartphone les prix des DVD, d'un seul coup, c'est passé de 3 à 10€. 10€ le manga, c'est le prix en magasin. Donc moi, je lui ai dit, laisse faire foutre. Hein. Là, non, faut pas déconner. Hein. C'est 3 au début, c'est 10. Le temps que je prenne, c'est 3€. Le temps que j'arrive vers elle, c'est 10€. Ouais. Et je lui dis, va te faire foutre, garde tes merdes. Hein. Moi, c'est bon. Je pense que le mec, il était pas comme ça, mais il a pas compris que là, elle va se les garder pendant très longtemps si elle fait ça. Hein. Parce que tout le monde a gueulé. Hein. Voilà, bah, désolé pour toi. Hein. J'ai pas pu te prendre les DVD parce que là, trop cher. Il y a que la DCM qui a eu de la chance d'avoir récupéré quelques DVD. Hein. Je crois qu'il en a récupéré un ou deux, il me semble, à 3€. Moi, j'ai pas pu la récupérer parce qu'après, au début, j'y suis allé. Et après je vais prendre des trucs, après je me suis dit ouais je prends pas, et au final j'ai pas pris. Je vais prendre un risque. Et pareil pour Nicky Larson, il n'est pas pris parce que 10€ non. C'est le prix neuf au magasin. Et encore à Paris Manga, il me semble quand ça va se faire, à Paris Manga là au mois de je sais pas quand, au mois de septembre, au mois de novembre ou octobre, je crois qu'il y a un manga distribution qui s'installe là-bas. Et eux c'est 10€ les deux il me semble. Hein. Les deux coffrages, donc autant aller à Paris Manga, ça sera moins cher. Hein. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo en compagnie de mon amie qui ne veut pas parler, elle ne veut jamais parler parce qu'elle a peur, elle est très timide. Alors, je l'ai invitée exprès parce que j'avais des cadeaux à te donner, soit à ta copine, et puis il faudrait que tu récupères aussi les mangas hein, que je t'ai. Ouais, voilà, j'ai les mangas que je t'ai récupérés la semaine dernière, je ne les ai pas donnés, ouais, ils sont là, les Killari, pour que je te les donne, j'ai oublié de te les donner. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire, et surtout, abonnez-vous, les amis, ciao!